Nous pratiquement jeudi à mercredi 16 mai 2018. Bonjour tout le monde, nous comptons rentrer là pour nous pour deuxième, pratiquement troisième sortie de la journal pour ce matin là. Quittez-nous encore une fois. Souhaitons passer un très bon mercredi. Bonjour Ruben et très bon mercredi Ruben Dumont. Bonjour Ricardine, toujours même plaisir pour nous capables ensemble. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Déjà nous souhaitons nous passer un très bon mercredi. Soutenage Ricardine, bon mercredi en même temps. Merci Ruben et très bon mercredi encore une fois avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale. À l'aide d'Haïti, mais entre temps, qui t'aime pas ensemble pour une campagne pour essentiel le journal là pour jeudi à une fois qu'on a un ministère culture et communication Guilhercius Delva parlé mardi 15 mai à sous plaisir point cap dominé actualité à parmi eux question justement prix gaz là 20 moun arrêté, yon dizaine moun mouri, 4 zam ak 5 machines et puis 3 motocyclettes saisies. C'est bilan opération direction départementale ouest DDO mené sorti 12 avril pour arriver 12 mai dans zone Gravine, commune Port-au-Prince. Rapport travail commission bicamérale qui t'a analysé dossier environ 40 candidats qui voulaient représenter Palman dans le conseil électoral permanent disponible d'après président Sénat République Joseph Lambert. Séance en Assemblée nationale pour capable choisir représentant Palman pour qu'on capable fixer à cause chambre députée en vacances. Et puis à l'étranger, dirigeant Corée du Nord estomaqué à cause États-Unis à Corée du Sud a fait tête ensemble manœuvre militaire dans la ville de Séoul. Peut-être ça Pyongyang annuler une rencontre qu'il était prévu à faire à Corée du Sud et puis menacer pour les capables boycotter sommet historique côté li gagné pour les chita parler à Donald Trump. C'est ensemble pour ça qu'on a pris l'autre cap qui fait essentiel le journal là pour jeudi mercredi. On n'a pas vite arrêté. Bon, chez nous, on a pu retourner dans quelques secondes. T'as pris pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas du bienvenue dans le développement information et gens qui ont annoncé dans différents titres ministre Kiltiak communication Guilherme Sius Delva pour un démenti sous bricap couri qui t'a fait quoi prix courant a augmenté ministre n'a fait connait pas bague augmentation dans prix courant puis loin ministre Joseph Guilherme Sius Delva expliquer gain effort qu'a fait pour faire recouvrement ministre demande collaboration toute citoyen dans sens on n'a pas vite suivi un extrait de Miko Rachel, c'est fort à Gang Robert Chéri qui était sous place. Ce n'est pas gagné une augmentation de ce qui a dit qu'il y a monté prix et kilowattheure, il y a comme si on va payer plus cher, etc. Ce n'est pas vrai. C'est un effort de recouvrement qui a fait, qui a marché, okay? Qui déjà baille des résultats. Et je pense que faut que tout le monde encourage ça parce que EDH, EDH a dépensé 250 millions de dollars pour subventionner EDH alors qu'il n'y a pas de courant. Donc, je pense que l'effort ça aussi apprécié pour apprécier. Donc, c'est un effort de recouvrement qu'a fait, de prix, et comme si courant pral vin piché, Jean de mon appareil, nous tout profiter de mentir ça. 500 familles dans la roue des moustiques, qui c'est la troisième section communale dans le bassin bleu, recevoir pendant le week-end passé un appareil pour capable mettre lumière dans la caillou. Bénéficier aux salés gestes là et puis remercier président République là pour accompagnement libre. Anne-Marguerite Auguste à Kevin Pierre a présenté nos reportages. Distribution kit individuel sa yo, moun kap viv nan zone rekule yo pour l'utiliser pour mettre courant la kayo, fait partie troisième axe, programme politique énergétique administration président Jovenel Moïse là. Directeur général Agence nationale sécurité énergétique là et Vincent Calixte montrer importance courant gain dans développement yon pays. C'est pour raison ça les dix chefs d'État prend engagement pour faire pour le men kaimoun qui pas jamais imaginé yo t'a bénéficier système éclairage ça. Directeur général ANACE a profité de ce bilan quantité réseau y a construit à réparer pour permettre arriver concrétiser engagement chef l'État pour bail courant 24 sur 24 là. Assurer que tout grain haïtien debout sur 27750 km² ou bien courant la caillou et pour nous faire ça nous utilisons une stratégie qui est trois axes dans n'a travaillé sur réseau international sur réseau national là pour nous qui pour interconnecter 10 départements au moins n'a préparé réseau qui dans 10 départements malheureusement tout le monde pas sous parcours grand réseau n'a travaillé sur petit réseau au nombre de au nombre de 80 à 100 que n'a travaillé sur nous dit que pour eux même nous va utiliser énergie propre et nous travaillons tout pour nous alimenter les cailles qui gagnent une par rapport à l'autre.
Député Bassin Bleu à Denis Saint-Fort remercie président République Lan pour ça en faveur monde qui vivent dans section communale. C'est une preuve qui montre président Jovenel Moïse comprend difficulté monde en dehors yo a confronté. Devant Jefosa yo parlementaire a invité opposition pour ta rejoindre équipe qui sous pouvoir à travers dialogue pour bien-être pays a. Merci ma président Jovenel, ma grande volonté en plus de détermination. Dans l'opposition, il faut acheter avec nous pour bien le pays. Bénéficiaires remercient l'autorité qui permet de sous-côté dans la décision à prendre pour améliorer les conditions de la vie monde qui vivent dans une zone qui est pire reculée. Appareil ça pour éviter un pile danger, ils ont été victimes lorsqu'ils ont utilisé gaz et baleine pour éclairer la caille. Autrefois, nous avons un petit monde pour étudier, sinon nous avons peut-être des gens qui étudier. Mais grâce au président Jovenel Moïse Jodia, nous avons une lampe soleil qui a aidé nous à avancer. Et nous avons souhaité le Premier ministre, merci tout. Dans la tête gridap, nous avons un problème dans les yeux. Nous avons un problème dans la tête gridap encore. Nous avons tout le monde étudié bien. Je dis président Jovenel, merci. Parce que depuis avant, je suis allé à $200 non, même pour me donner une lampe, je ne suis pas joindre. Mais pour qu'on y ait, je suis allé étudier à l'aise. Je ne suis pas causé la tête gridap encore. Je dis président un bel merci pour ça, parce qu'il fait belle bagaille pour le peuple. Programme Kaipam Clérian fait partie promesse électorale président Jovenel Moïse te fait paysan yo. Distribution appareil sa yo pour permettre bénéficiaires yo mener activité économique dans nuit yo et puis participer dans effort qu'a fait pour augmenter économie haïtienne nan. L'autre information dans le journal du Conseil national de télécommunication, l'NCIM a dit 15 mai, il y a un atelier de travail de jour en Port-au-Prince sur règles principes dans le secteur radiodiffusion. Atelier ça qui doit réunir opérateurs avec mon administration publique là pour occasion pour responsable qu'on a présenté ça la loi dit pour gérer les affaires médias en d'un pays. Directeur général qu'on a Jean-David Rodney exprimé regret pour par rapport à la polémique qui gagne entre ANMH et AMI qui ne comprend pas la démarche qu'on a telle là, n'a pas envie de suivre. Je dis à la, comme nous sommes capables, n'a pas avancé avec l'atelier. Ok? Peut-être dans l'attendance qu'on a là, ou pas gagner les 350 opérateurs de stations de radio. Et c'est vrai que nous avons nous gagner par contre des radios qui sont juste Jérémy, qui sont au CAI. Et nous sommes dit tout à l'heure là que nous tenons par chaque opérateur que nous baillons une fréquence. OK, pour nous protéger, pour nous accompagner dans l'exploitation. Et c'est ça que nous faisons. Donc, nous continuons avec l'atelier. Hein. Jeudi, concerné le contrat de concession que nous allons présenter après-midi. Hier soir, il était 11h, j'étais encore dans le bureau avec le président de la NMH. Pour nous être capables de clarifier la confusion qui est dans l'esprit sous objectif, sous jeu de rôle là d'abord. Le régulateur et l'association des médias. Régulateur, c'est régulateur. Association des médias, c'est association des médias. Et nous avons dit que nous n'avons pas entré dans le champ de régulation. Nous avons avec eux des opérateurs que nous baillent des fréquences pour nous même faire les médias. Le président de la NMH a eu à me dire en présence d'autres personnes qui étaient avec nous que. En dans le contrat de concession, pas gain deux irritants, nous pas gain deux points de divergence. Nous d'autant que gain des médias qui signent déjà Télé Guinée par exemple. Tu as signé le contrat de concession, gain d'autres médias qui t'ont signé. Donc si pas gain des irritants majeurs. Et puis nous faisons un exercice pédagogique côté de mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics pour clarifier des questions. Pour nous que pas gain atteinte à la liberté d'entreprise. Pour nous que pas gain atteinte à la liberté d'expression. Mais problème non, li pas dans le contrat de concession. Dans le Parlement haïtien, sous n'importe quel prince, gagné président du Sénat République, Joseph Lambert, il fait connaître membre de la commission bicamérale qui a analysé le dossier environ 40 candidats qui voulaient représenter le Parlement dans le Conseil électoral permanent. Un bien rapport ça, rapport travail là, déjà disponible. Séance en Assemblée nationale là pour capable choisir 3 représentants Parlement dans le KEPIA pour qu'on capable fixer à cause des députés eux-mêmes en vacances. Sénateur Sidesla souhaitait froid ça, conseil arrive et mettez campé avant prochaine élection. Yo. A nous suivre, il y a une déclaration de Miko Fedner Confident avec Moïse Lubitsch. Il est temps que le conseil électoral permanent soit mis en place et que toutes les dispositions soient adoptées en ce sens et que chaque secteur, chaque groupe politique
à quelque niveau qu'il puisse appartenir, eh bien comprendre que je ne veux dire qu'on nécessité pour que le conseil électoral là mette campé. D'ailleurs, un rapport a été produit en ce sens depuis l'an dernier, transmis au bureau, à l'ancien bureau, et j'étais le président de cette commission. Aujourd'hui, je suis arrivé à la tête du Sénat de la République en tant que président du Grand Corps. Il est encore de ma responsabilité de continuer à bailler, à insuffler, je dirais, tout l'élan nécessaire à dossier ça pour que, en finale, nous pas retrouver nous avec une accumulation de retard pour mettre passion pour que en septembre ou octobre 2019, eh bien, on puisse tenir des élections dans le calme et la sérénité la plus totale. Si c'était pour le Sénat de la République, c'est un centre fait. D'ailleurs, des sénateurs dont je n'ose citer leur nom, eh bien, ils étaient mis d'accord, puis ils étaient dit, il faut constituer ce que je pourrais appeler une majorité patriotique de 20 pour nous capables de doter PIA de institutions qui prévoient en dans constitution. Je veux parler du conseil électoral permanent, du conseil constitutionnel. Mais depuis 1990, nous avons des oppositions, ça n'a pas jamais d'accord avec le conseil électoral permanent. Tout le monde qui était d'accord hier, là était au pouvoir, il n'est pas d'accord aujourd'hui. Ça d'accord aujourd'hui, il n'y a pas d'accord demain. L'important pour moi, en tant que président du Sénat, c'est prendre responsabilité moi et puis faire ça me décarreler un complot citoyen et bien prendre engagement en tant que responsable pour que définitivement toute institution qui prévoit quelle qu'elle soit de quelque nature qu'elle puisse être et bien nous capable de mettre le campé et ceci dans l'intérêt national. Responsable parti haïtien Ted Kaleyo rencontré mardi 15 mai en Pétionville représentant régional avec le département patien promettait une feuille de route qui pourrait permettre de travailler souterrain. Rencontre ça fait avant premier congrès patien qui prévoit fait dans pas trop longtemps président patien Yannick Mézi avec porte-parole patien vous dire arrive pour des précisions sur information qui t'a fait quoi PHTK division de branche. On a invité sur un extrait le microphone Delphin avec Pierre. Le comité exécutif provisoire te voulait rencontrer avec un pionnier PHTK pour nous débattre une feuille de route côté pour te reprendre terrain pour te recommencer travail parce que nous connaissons dans quelques jours, dans quelques mois, nous pourrons aller préparer le premier congrès national partisan et ça va rentrer dans le cadre de restructuration. Parti politique là. Je dis, tout pionnier yo là, qui sont dans 10 départements, 9 départements géographiques pays, parce que nous pouvons faire dans l'Ouest, côté nous pouvons faire une feuille de route pour connaître qui gens, pour tout le travail sur le terrain, reprendre le terrain et pour nous préparer le premier congrès national partisan qui va fait très bientôt dans 2 ou 3 mois. Cette affaire de deux branches là, ça va exister. Non, capable de gagner des mondes. Qui décide de faire un travail dans le point par mais après à l'arrivée, ils viennent retrouver nous pour conjuguer force nous, énergie nous et intelligence nous pour aller de l'avant. Nous avons retourné dans le Parlement haïtien, sénateur Louesla, Antonio Cherami, lancé un SOS à l'autorité judiciaire et la police pour capable de travailler pour arriver à freiner les insécurité qu'a répété. Dans plusieurs communes dans le département de l'Ouest pays d'Haïti. Devant Constance, le parlementaire a dit l'ikwe, il y a une nécessité pour capable de gagner une entente entre plusieurs entités capables de sans ça pour capable freiner Zach Sayo dans la société haïtienne. Toujours dans le micro, Fidney Confident avec Moïse Zoubouch. Moi-même, je pense que aujourd'hui, il faut que vous chita sérieux qui fait cette question de sécurité dans le pays. Vous avez regardé, par exemple, pas jamais les résultats qui baillent dans. Journaliste mouri, résultat pas j'en baille. 31 timoun dans Calico Beach, résultat pas j'en baille. 14 nan mineur, blanc sauvé, moun yo t'arrête lagé, résultat pas j'en baille. Ça veut dire pas j'en mon signal vraiment qui voyait, même la police agit,
mais la justice lui-même, les gens le comprennent bagaille là, les gens l'autre bagaille il fait. Et me passer jodi an, c'est tout corps ça qui doit mettre ensemble pour qu'il dit bon, faut que nous résoudre problème là. Ça touche mon pile. Ça crive les organes, jeune garçon qui a tombé. Ça touche mon pile dans cabaret, pile cambise ça qui prend vagabond envahi. Li touche mon côté mien. Mais jodi an comme responsable, pas qu'à plaindre. C'est le système pour nous batailler, pour nous changer, pour nous savoir même pour nous jouer un résultat. Toujours dans le dossier sécurité, il faut qu'on ait mon arrêté, on disait mourir, 4 armes, 5 machines et puis 3 motocyclettes saisies. Ce bilan opération, direction départementale ouest, DDO, mené sorti 12 avril, rivé 12 mai dans la zone Grandvine. D'après le directeur départemental ouest, la Berson, ce jour, opération santé baptisée Coucou Rouge, l'été gain pour objectif démanteler les gangs évadés, prison en elle qui est spécialisée, n'en fait plusieurs actes malhonnêtes dans la capitale, n'a pas mis de suivre. Nous fait 20 arrestations. 20 arrestations et là-dedans, nous avons ensemble de gangs. C'est des gens nous prend qui à peine sous trop mettre braquage. Et en pile là-dedans, nous jouons des armes, nous confisquons 4 armes et gagnons 8 véhicules qui confisqués. Et 8 véhicules, donc nous gagnons 5 machines qui sont la croix là, que la presse a boué, et 3 motocyclettes. Nous confisquons 4 armes, 2 armes, ça, dernière date là, et qui lui-même, au cours d'opération ça, et qui visait gang Anel, qui lui-même a théorisé une partie dans le village de Dieu. Et compte tenu, la police a évité dommages collatéraux, donc nous pas intervenu en force. Donc nous puissions prioriser, d'accord, investigation. Et dans le cadre d'action de la police, il y a à peu près une dizaine de membres gangs qui déjà tombés dans l'échange avec la police, dont les oreilles et consorts, qui sont des gens qui sont membres d'Akadi Gang Ravine, qui est intimement lié avec Anel dans le village de Dieu. Et dernier moment date que nous avons arrêté, c'est deux prévenus ça qui là. Nous avons Dikini Veri, M. Viré, qui lui-même, Dikini Veri, c'est nous arrêté sur l'aéroport. Et peut-être que tu as suivi, Dikini, c'est même d'Akadi chef réseau par là. Et chef réseau, il y a un petit nom dans le gang là, il est l'ingénieur. L'ingénieur, c'est lui-même qui est habillé très bien à l'ambankio, suivre qui moun qui fait transaction, et peut-être d'Akadi familiariser à moun en dedans. Et nous connaissons Dikini lui-même, par exemple, nous jouons dans la machine. On carte. Carte ça, c'est 4 ministères intérieurs, mais c'est une fausse carte qui permet que il est capable de passer n'importe qui côté et comme on a dit un employé l'État ou un ingénieur qui permet qui cibler moun yo et puis avec machine motocyclette yo braquer moun yo mais nous prenons après une attaque qui était faite sur un client qui saute dans Soge Bank Delma 30 et malheureusement l'équipe là était tellement sur le terrain nous pas arrivé on a dit mettre les mains sur toute l'équipe là et nous arrêté deux là dedans donc un Dikini Veri. Et nous arrêté tout Belfort Robinson, alias Rudy, qui était accomplice, qui était avec elle. Mais, particularité de Dikini Veri, l'enfin arrêté, dans la recherche que nous faisons, nous retrouvons l'état avec Mario Saha, qui est tout près là. Et dans la recherche, dans le contact, l'en informé de l'arrestation, nous avons SDPJ Nord qui prend contact avec elle et qui voit des images, vidéos. Que yo te gagné sous un deux braquages qui fait dans cap haïtien qui était vraiment soulevé opinion publique là. C'est un braquage qui était fait le 11 avril dans rue 20A côté que yo prend $26,000 américains nommé madame Ella Benoît Siméon 11 avril 2018 et le 24 avril 2018 dans rue 3L au cap haïtien. Yo pote aller plus de $80,000 américains de un commerçant qui relait Robert Télémac. Donc, image vidéo que vous voyez dans nous, c'est même Mario ça que nous avons arrêté la veille là, qui était sous lit. Ça fait nous, Kembe Mario comme une pièce à conviction.
Député circonscription Kinskofla Alfredo Antoine dit li pas d'accord ak parole ka parler sous possibilité pour prix gaz la monter sur marché local là. Parlementaire a encouragé pouvoir exécutif là pour capable chercher taxe dans l'autre secteur pour capable répondre à engagement li vis-à-vis population haïtienne là. En second extrait. Nous compte on éventuel montée de produits pétroliers. Nous admettons nous tous que journalistes avaient admettre que Haïti pas fait pétrole clair, mais question pour monter prix gaz et que ces populations qui le payer et côté conseil de paresse qui gagne au niveau ministère financier pas le prélever on sait de taxes qui est capable financer budget si pas pour gouvernement ouais que c'est produits pétroliers seulement de taxes faciles que ces populations qui prennent gain sous fonctionnement population déjà qui dans chômage qui pas gain travail à partir de gros multinationales de entreprises nationales qui a travail qui pour financer budget c'est là pour y prélever taxes et de citoyens tout qui a travail qui paye impôts. Donc question à financer budget c'est à travers de taxes de monde qui plus faible et moi-même moi contre ça et nous lancer un appel vibrant à l'endroit de autorité au niveau du ministère des finances et de l'économie pour que c'est là pour y aller chercher de taxes au niveau de monde qui plus riche de entreprises commerciales et gain une série de gaspillage qui a fait dans question crédit d'impôt exemption d'impôt exonération d'impôt son série de mesures que l'État prend à travers loi sous CFI pour que yo facilite plus travail ou bien national. Mais qui ça a fait? Yo profiter de avantage ça yo, yo ba yo 10 ans d'impôt et après 10 ans fini, qui ça entreprise a fait? Yo fermé yo et y a ouvon l'autre entreprise pour yo gain 10 ans. Donc faut que l'État en mesure que moun ka bénéficier impôt yo, non seulement nombre d'emplois que yo pral bay dans secteur, c'est pas bay crédit pour crédit, ouvrir entreprise pour ouvrir entreprise. Faut que moun sa di mais quantité emploi, de emploi décent. C'est pas même genre de moun qui dans secteur textile que de moun de chômage déguisé, de moun qui a travaillé seulement pour financer la misère. Toujours dans ce qui concerne les produits pétroliers, le ministre Kilti à communication Joseph Gileasius Delva parle mardi 15 mai sur divers points cap dominé actualité. Parmi eux, il y a un point ajustement prix gaz là. Le ministre qui a intervenu dans une conférence spéciale fait qu'on a une musique à prendre pour ajuster prix gaz. On a invité le suivre. Depuis 2010, on a subventionné Gaza. C'est-à-dire que le pas jamais arrivé, nous toujours en balle. Nous toujours plus bas que prix marché, donc nous toujours en deçà de Sanda doué percevoir comme recette et nous toujours dans une situation pour chercher à ajuster ou bien c'est perdu, on a perdu recette dans la question Gaza. Ben moi dis nous, par exemple depuis 2010, l'État haïtien a perdu plus que 47 milliards de gourdes. Comprenez bien ça veut dire 47 milliards de recettes que le pas percevoir pour qu'il se cause que l'a subventionné Gaza. Mais gros problème là c'est que moun qui bénéficiait de subvention ça que l'État a bail là et bien m'ka nous garantir c'est pas et moun qui plus bénéficie là c'est moun qui a moyen déjà. Imaginez qui moun qui a vraiment consommé carburant en Haïti. C'est moun qui gagne industrie, c'est moun qui gagne gros Delco, c'est moun qui gagne gros machine ya brûler. Moi même capable avoir là m'a bénéficier lui comme si m'a bénéficier moi pas ta besoin yo subventionner gaz pour moi parce que m'a capable dire dans pays a m'sont privilégié mais il y a m'a touché m'a bénéficier là dans lui le l'état subventionnel là moi même bénéficier gien l'autre monde dans pays a qui gien moyen pour payer gaz mais c'est yo qui bénéficier surtout. Mais avant m'arriver dans ça m'a dit ba nous deux trois petits chiffres par exemple. Jusqu'à présent, dans l'exercice là, nous déjà perdu 7 milliards, plus de 7 milliards de gourdes qui déjà perdu en termes de recettes qui pas percevoir à partir de subventions que n'a fait dans le prix carburant. Et si ça continue, dans fin exercice là, l'a dépassé 13 milliards de gourdes. Comprenez bien, n'a pas capable percevoir pour
adresser problème justement moun ki pi faible. Alors que COB n'a subventionné là la li plus à joindre moun ki pi riche ki pi bien yo. Qui pas besoin ça vrai mais n'a ba yo pas besoin. Mais qui je pour qui stratégie pour faire pour atteindre moun pour assurer que effort que l'État fait c'est moun en bas la joindre qui plus besoin là. Eh bien, c'est à travers programmes sociaux que nous avons mis en place, qui déjà en place, qui en cours, que nous avons renforcé. C'est par rapport à toute une série de mesures d'accompagnement qu'a pris pour permettre que en bas capable bénéficier. C'est-à-dire si ouais, ou elle paye au camionnette, ou du paye un goût de plus, paye deux goûts de plus, mais on pourra le compenser de l'autre côté. Quand on va le compenser là, ou de capable acheter un plat manger pour 150 goûts, eh bien je n'ai pour 10 goûts. Mais là, je vous dis que là, c'est comme l'État, oui. C'est comme la percevoir qui permet de atteindre les gens qui sont bas. Les gens actuellement là, ça va fonctionner à travers le pays. Nous devons mettre plus toujours. Nous devons mettre un petit disons, panier de solidarité qui a développé pour mettre les gens capables de jouer un kit, pour jouer manger ou bien nourriture qui est capable d'aider. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Attention, hein? Nous pas dit programme social, ça, c'est qui va résoudre le problème des Haïtiens. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas attendre ou besoin de soutien. Et pour faire, il faut gagner moyen la mort. Et qui compte pour moyen soutien? Mais sinon, c'est sur gaz, c'est sur tout, tout c'est sur d'autres produits qui dans le pays. Pour joindre. Chapitre local la ferme là, nous prêts aller l'autre bord de l'eau, Corée du Nord annulé yon en compte l'été prévoit faire à Corée du Sud à cause de manœuvres militaires qui a fait entre États-Unis et Corée du Sud. Pour yon menacer pour les capables de boycotter le sommet historique, l'été gain pour faire à Donald Trump à cause de situation si là. Euronews pour plus de détails. La Corée du Nord a annulé une rencontre avec la Corée du Sud en raison des manœuvres militaires conjointes qui ont débuté en début de semaine entre Washington et Séoul. Selon l'agence de presse sud-coréenne, Pyongyang a déclaré que ces exercices étaient une provocation au sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les manœuvres seraient le prétexte, la définition de dénucléarisation le cœur du problème. Mais le département d'État dit ne pas avoir été informé d'un changement de position du régime nord-coréen. Ce que nous savons, c'est ce que Kim Jong-un a dit auparavant, à savoir qu'il comprend l'importance de ces exercices militaires pour les États-Unis comme pour la Corée du Sud. Une annulation du sommet du 12 juin à Singapour pour une raison ou une autre serait un revers majeur pour Donald Trump. Toujours dans l'actualité internationale, après plusieurs batailles, les manifestants palestiniens et les soldats israéliens ont entièrement victimes de démarrer à Yamadia. On a pu noter pour plus jeunes victimes dans la bataille Sahot et il y a seulement 8 mois. Après, vous suivez un reportage avec Euronews. Après les heures sanglantes entre manifestants palestiniens et soldats israéliens, Gaza pleure ses morts. Les funérailles des dizaines de victimes ont débuté ce mardi. La plus jeune d'entre elles, Leïla, avait tout juste 8 mois. Alors que la grande majorité des Palestiniens ont été tués par des tirs de snipers israéliens, la petite fille serait elle décédée à cause de l'inhalation de gaz lacrymogène. Sa famille tient l'État d'Israël pour responsable. Je suis allée chercher ma fille et on m'a dit qu'elle avait été emmenée à l'hôpital. J'y suis allée et c'est là que j'ai appris sa mort. Ils n'ont pas eu de pitié pour une fillette. Ils ont envoyé des bombes de gaz vers elle. Ils l'ont tuée avec du gaz lacrymogène. Aucune pitié pour elle ni personne. Elle était coupable de quoi pour mourir ainsi ? Devenue le symbole de la barbarie envers les Palestiniens ce lundi 14 mai, Leïla n'est pas la seule enfant victime puisque 8 mineurs sont également décédés. En tout, au moins 2400 personnes ont été blessées. C'est un véritable massacre qui s'est produit. Hier, nous avons reçu 500 blessés dans cet hôpital, avec des blessures principalement aux jambes. C'est au-delà de nos capacités d'accueil d'avoir plus de 25 patients en même temps. Donc c'est vraiment dur pour nous de gérer autant de blessés.
tandis que Paris condamne les violences et qu'Amnesty International dénonce une violation abjecte des droits de l'homme. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui justifié l'usage de la force pour défendre ses frontières. Le journal Akaba pour jeudi, mais juste avant nous aller, nous rappelons un simple point qui était fait essentiel. Le ministère Culture et Communication Joseph Guilherme Sius Delva parle mardi 15 mai sur plusieurs points qui ont dominé l'actualité parmi les questions d'ajustement prix Gaza. 20 personnes arrêtées, une dizaine de personnes mortes, 4 armes, 5 machines et puis 3 motocyclettes saisies. C'est bilan opération direction départementale ouest de Déomène, sorti 12 avril pour 12 mai dans la zone Grandville, dans la commune Port-au-Prince. Rapport travail à la commission bicamérale qui a analysé le dossier 40 candidats qui voulaient représenter le Parlement haïtien en le conseil électoral permanent, disponible d'après sa présidence de la République, Joseph Lambert, fait qu'on est. Séance en Assemblée nationale pour capable choisir 3 représentants saillants pour qu'on capable fixer à cause de la Chambre des députés en lui-même, les en vacances. À l'étranger, dirigeants nord-coréens yo estomaqué à cause États-Unis à Corée du Sud a fait manœuvre tête ensemble militaire dans ville Séoul. Peut-être ça pour nous annuler une rencontre l'été prévoit faite à Corée du Sud et puis menacer pour les capables boycotter sommet historique côté ligue pour les chita parler avec Donald Trump. Et c'est là je n'arrive dans boutli nous vraiment t'es content ensemble avec vous pour être capable présenter lui. N'a pas été passé un très bon mercredi sous TNH. Ricardine, tu es content ensemble avec vous. Bon mercredi à vous-même. Merci, Ruben. Et très bon mercredi à vous-même également. On peut casser rendez-vous dans la prochaine sortie édition journal. Mais on peut souhaiter à tous les téléspectateurs et téléspectatrices passer une excellente journée de mercredi. Et surtout, restez branchés à la télévision, puisque l'information après vous suivre sur l'antenne télévision l'État. Très bonne journée à tous.